Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est moi qui fais le point de presse, tout ça pour la Saint-Patrick. Alors la Saint-Patrick, comme vous avez pu le voir sur votre menu, pour les gens qui ont des forfaits, vous avez une petite feuille comme ça. Si vous n'en avez pas eu, il y en a de disponibles à la réception. C'est pour vous dire qu'il y a un menu de la Saint-Patrick qui va être fait le 18, 19 et le 20 mars aussi en plus. Donc, pour les gens qui ont le forfait le 17, bien entendu, qui est la journée de la Saint-Patrick, on va avoir le menu de la Saint-Patrick qui est soupe au panais écurie. Il y a soit un ragoût de viande à la Guinness, soit le traditionnel fish and chip. Ah, le fish and chip, en passant, on a fait la panure avec de la Guinness aussi. Et un gâteau irlandais, c'est en fin de compte, on a fait une tartelette lime et meringue dessus, légèrement caramélisée. Vous allez voir. Donc, si vous n'avez pas de forfait et que vous désirez avoir ce petit menu-là, parce que ça vous tente de manger irlandais, vous passez à la livraison par la réception 24 heures à l'avance. Je m'excuse, je pensais à d'autres choses. Donc, si vous avez pas de forfait avec des coupons. Si vous avez des forfaits, vous pouvez manger ça aussi les autres jours, pas seulement le 17. Vous pouvez manger ça le 18, le 19 et le 20 si vous voulez. Mais là, à ce moment-là, ça va être important de le réserver à l'avance 24 heures. D'accord? Aussi, toujours, s'il y a des choses, vous avez des idées, il y a des choses que vous aimeriez manger, ne vous gênez pas. Ça va toujours me faire plaisir de vous écouter, de voir les possibilités. Il faut quand même savoir qu'on fait énormément de repas. L'équipe en cuisine travaille très fort pour essayer de vous satisfaire et de faire vraiment les plats qui vous tentent de manger. On ne cuisine pas pour nous, on cuisine pour vous. Donc, pour moi, c'est très, très important d'avoir votre implication. Ne vous gênez pas pour nous donner des idées, pour des choses que vous aimeriez manger. Je suis disponible, je suis toujours là. Ça va me faire plaisir. Dans un autre ordre d'idée, les livraisons, ne vous gênez pas non plus pour dire aux personnes qui passent en livraison s'il y a des changements, s'il y a des choses. Ça va toujours nous faire plaisir de pouvoir vous accommoder du mieux qu'on peut et bien sûr à la limite de nos possibilités. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Je vous rappelle le menu de la Saint-Valentin le 17 pour les gens à forfait. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de forfait, 18, 19, 20, j'ai prolongé la durée du menu irlandais. Et en passant, je ne vous ai pas dit, mais le ragoût de viande, c'est agneau et bœuf dedans mélangé. Très, très bon. C'est Nathalie qui l'a fait, votre sous-chef. Elle est extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée et bon appétit à tous. Joyeux Saint-Valentin. Non, Saint-Valentin, chef. Joyeux Saint-Patrick, désolé.